Alors là, on se retrouve dans les Alpes du sud au col de la Croix de Fer. Donc, je viens de tout monter en vélo, à pied. Enfin, c'était une bonne galère. Et là, on va se retrouver pour la descente jusqu'à Saint-Sorlin-d'Arves. Ça va être top. Allez, c'est parti, enfin de la descente. Après une heure et quart de montée là, ça fait plaisir un peu de descente. Mais bon, comme d'hab, normalement ça va en valoir la peine. Ouh, 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 le vélo il a du mal à passer ici. Ouh, ouh. Là on est au lac du Potron. Bon, les chemins sont pas trop faits pour le vélo, hein, je vais l'avouer, mais bon, ça se fait quand même. Donc là on va commencer la descente parce que les nuages là-bas ils font un peu flipper et ils commencent à cailler. Donc let's go. Sur Saint-Sorlin là, elle est top. Bon, par contre, il n'y a pas de chemin par là, donc on va faire petit demi-tour. Bon, quand je vois chemin de trail, je suis pas très confiant en fait. Je pars pas dans des conditions optimales. Trial ici un peu. Hop, hop, hop. Ça passe bien ça. What? What the fuck ces pistes là? Je crois que je vais aussi vite aller monter qu'aller descendre. Ça craint. Nous revoilà sur le chemin de la mort. Nous revoilà sur le chemin de la mort. On a
a fait une petite variante parce que c'était beaucoup trop raide une partie là. Chaud. Merci. D'être plus faisable déjà par là. Clôture électrifiée, on va pas se faire électrifier tout de suite. Hein. Ou petit en sous-bois. Voilà, on va arriver à la fin de cette sortie. Je vais dévaler à fond jusqu'à l'hôtel de la Balme. Très bon hôtel pour aller skier, manger, parfait. Donc, c'est parti les amis. Là, il n'y a pas trop de taupe, sinon je vais me vautrer. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Wouh wouh putain. Wouh putain. Wouh wouh wouh. Wouh putain. Wouh putain. Wouh putain. Wouh putain. Wouh wouh. Wouh. Wouh.